Et bonsoir à tous. Pendant que ce magnifique écran de 3DS a bugué, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, Sadran. Aujourd'hui, on va jouer à Pokémon Monster Y. Et j'ai encore oublié cosplay. Oh, mais je suis vraiment un sac à merde. Veuillez m'excuser. Je vais m'habiller de suite. Ne vous inquiétez pas. Je m'habille. Alors, j'annonce Hey Pierre live à 21h. Et alors, je vais pas vous mentir, j'ai juste pas envie de me péter les couilles à lire des gens parler du live d'Hey Pierre sur ce chat. Donc, les gens qui arrivent, ils font « Il est où le live d'Hey Pierre ?» Pas de problème. Par contre, si vous commencez à parler du live d'Hey Pierre sur ce chat, je vous kick du chat et je vous nique votre XP. Alors, vous allumez vos cervelles, vous regardez à droite, il y a des onglets, et vous cliquez sur un pierre, merci. Bien, nous pouvons donc commencer ce live en bonne condition, maintenant que les règles sont fixées. C'est parti. Donc, nous en étions à ce château chef-d'œuvre. Et donc, nous devons remplir les quêtes de cet abruti pour débloquer le chemin avec le ronflex, voilà. Nom d'une permanente, où est-il passé? Où es-tu? Le mec a quand même une statue. J'annonce, le mec a quand même une statue de Milobélus en or à l'entrée. Regarde, le mec est riche, il est content en plus. Mon coiffeur et chéri, mon amour aussi précieux a disparu. Ah, oh, ah pardon, son cuir chevelu a disparu. Paf! Je ne rigolais pas quand je disais ça, bien entendu. Il faut savoir quelque chose. Quand je dis quelque chose, je ne le dis pas pour rire. Tu as entendu, Adran? Il faut qu'on fasse quelque chose. Imagine si tu étais à sa place. Un de tes disparaît, c'est la fin du monde. Ta gueule. Bonjour. Passez cette porte rejoindre les Babyloniens. Que dis-je? Cyclopée, un jardin de temps du palais. Ils font la fierté et la réputation de ces lieux. Vous pouvez également les contempler depuis le balcon au premier étage. Merci, monsieur. Je vais continuer. Ah! Ah, c'est vrai que j'ai toujours pas de bicyclette. Eh bien, bonsoir, SDAC. Mais écoute-moi, ça va. Bon, je vais faire un tour derrière. Allez, vas-y, fais un tour derrière. Alors, vous me faites des combats ou pas? Non. On peut tailler... Ah! Ah, il y a 16 coupes ici. Ok. Le mec m'y fait. Eh, fais gaffe, la 16 coupe, elle est planquée dans le jardin. Planquée, j'ai fait 3 mètres et je l'ai trouvée. Salut Paralyzed. Bienvenue sur le live. Salut Raikun, bienvenue sur le live. J'espère que vous allez bien tous les deux. J'espère que tout le monde va bien. Mets un cœur si t'aimes et Pierre. Combien de secondes? 60. Ah. Mais pourquoi je peux pas? Ok. Je peux pas en fait, j'ai pas les droits. Je suis déçu. Merde, j'allais me lancer ma première vague de ban intensif. Vas-y Damstorm, déchaîne la tempête de ton pseudo sur ce chat. Ça va, écoutez, moi je vais bien. Je suis chaud pour dire de la merde, comme d'habitude. Bonjour, le roi a organisé jadis de somptueux banquets. Et dans ces jours-là, auxquels convient à tout le monde. Tout le monde va devenir un cat. Oh, alléluia, alléluia. Voilà. Oh mon dieu, un coiffarel. Ne serait-ce pas le coiffarel de ce cono de riche? Je n'ai rien contre les riches, mais lui c'est un cono au passage. Parce qu'il a volé la Pokéflute, c'est pas bien, il vole tout le monde, ne volez pas. Voler c'est mal. Ouf, ouf, je suis coiffarel, je cours. Non, ne t'en fuis pas. Mais là, faut pas s'enfuir, mon grand. Attends, tu fais un peu, donne un coup de main, d'accord? Ah...
Salut Torrent, bienvenue sur live, j'espère que tu vas bien. Mais vas-y, Dame Storm, ton pseudo, il y a tempête dedans. Alors moi, je veux qu'une tempête de ban se déchaîne sur ce chat. Libère ton pouvoir caché. Alors Raven, on peut parler de bébé Pokémon si tu veux. Mais pourquoi tant de haine? Oui bon toi Ah j'ai faim, j'ai décidé là, tu me fais chier. Tiens, tu te mets là. Tu me casses pas les coucougnettes. Là c'est bien non? Ah d'accord. Alors attendez, vers où il va aller si je vais là? Il va à droite, très bien. Donc hé la gourde, viens avec moi et on va à droite. Hey, tu vas à gauche. Viens là, voilà c'est bien. Hein, tu te mets là. Hé hey. Elle me troll. Oh là là, quelle merdeuse. Oh là là, mais au fond. Mais arrête de bouger. Ah. Alors, je n'ai pas la démo de Rossa, donc je peux rien vous dire dessus. Voilà. J'ai fait plein de concours, j'ai eu aucune clé de Rossa, j'ai pas testé. Si je veux choisir un Pokémon, Erisandre. Parce qu'il est bien, Erisandre. Viens là! Colericon! Là, viens! Mais qu'est-ce qu'elle me pète les burnes, elle? Tu peux pas genre attendre là? Vas-y. Quoi, Pharrell? Je suis là pour te... Oh, mais vos oreilles vont apprendre à me kiffer, vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une question d'habitude. Putain, mais toi, tu sers à rien. Tu te mettrais là, tu vois, connasse. On aurait fini. Z. Salut Jupiter, salut Yoyos, bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien. Il est passé où ce con? What? Hey! Ah, je sais. Viens là. Tu te mets là, s'il te plaît. Merci. Une rediff de prévu, bien entendu qu'une rediff est prévue. Pourquoi il n'y aurait pas de rediff? Sur ma chaîne YouTube qui défile à droite. Elle va finir par défiler, vous inquiétez pas, toutes les 15 secondes le lien change. Bonne nouvelle, ce soir tu joueras. Merci beaucoup Dame Storm. Moi je te fais un bisou. Pas trop tôt, on a fait du blablabla, on est exceptionnel, pas du tout. On a mis 5 minutes pour régler un problème de 30 secondes. Oui, j'ai 2 3DS, j'ai cette 3DS de capture et j'ai ma 3DS d'avant. J'en suis tout ébouriffé que les chaînes décoiffants. Je ne peux pas mettre ma main dans les cheveux vu que j'ai une casquette. De telles retrouvailles méritent un feu d'artifice à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Ne coupons pas les cheveux en 4. Ce feu d'artifice, preuve de mon amour, pourquoi ferait-elle sera grandiose. Comme vous n'avez pas de poils dans la main et que vous avez un cheveu coiffeur, ces festivités vous serviront aussi de récompense. Il vous suffira de voir nos balcons. On atteint par le hall au miroir du premier étage. Oui, messieurs. Jamais vous avez bien fait de retrouver ce coiffeur. Si t'as pas graine, n'aimez pas avoir des empailles. Bon, alors on va devoir un feu d'artifice, c'est déjà bien. Oui, parce que bien entendu. Là, je joue sur ma 3DS de capture qui a une liste d'amis, certes. Mais voilà. Mais je me suis pas encore jamais connecté à internet avec le Let's Play.
Salut Maxoucraft, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Alors c'est bien parce qu'il y a Natpis et Crazy qui parlent d'un truc que je n'ai pas suivi. Je pense que ça ne doit pas nous concerner. Merde, mais... Mais il est trop grand ce palace de mes couilles. Seul roi, blabla. Blablabla. Ah, Maril! Je suis épuisé. Y a pas d'objet dans ce truc. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Attendez, attendez! Oh mon dieu, c'est un lit! Mais qu'est-ce qu'il est beau! Il est trop beau le lit! What the fuck? Quel est le meilleur jeu Pokémon? Je sais pas. Voilà, grosse réponse. Moi je les aime, j'ai mes préférences, bien entendu. Ma génération préférée reste or argent parce que c'est parce que rouge et bleu j'y ai joué et jaune j'y ai joué mais j'étais encore très petit, alors que or et argent c'était vraiment dans ma période de vraiment grosse cultivation jeux vidéo. Donc du coup je préfère or argent, mais ça veut pas dire qu'il est mieux. Mais non Neos, j'ai toute ma tête, ne t'inquiète pas. Oh non mais tout est en ordre, il a pas de respect le mec qui vit ici quoi. C'est pas la démo des nouveaux du tout, c'est marqué au dessus, c'est Pokémon Y. Tu sais, c'est la première fois que je me identifie avec un garçon. Non, non, moi je veux me taper Serena, pas toi. Salut Ravenix, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. En vrai je suis sûr que ce film nous laisser des souvenirs inoubliables. Parce qu'on aura regardé ensemble. Cœur. Non! C'est tout. Ah non, oui, non, c'est Pokémon Y. Ne t'inquiète pas. Si j'avais fait Rossa, je l'aurais indiqué. Parce que de toute façon, si c'est pas toi qui me le demande, c'est tout le monde. Voilà. C'était... Je ne trouve pas de mots à part. Génial! Je n'oublierai jamais ce moment qu'on a passé ensemble. Hey, rip. Quand tu es une promotion, tu ne refuses jamais. Alors là, c'est que tu ne me connais pas. Tu es toulousain, exactement. Un feu d'artifice au poil pour mon amour poilu. J'imagine que vous êtes satisfait. Oui! En fait... Et le Pokéflute! C'est ça, il nous faut la fée pour réveiller le gros bateau de Reflex! C'est comment ça? Mais moi ça va! Ça va, ça va! Pas toi, je veux Serena, ok? Ouais! La Pokéflute, au travail! Au travail! Il s'agit du trésor du fort de Vanitas que j'ai accepté en paiement d'une dette! Il était de couper cheveux en quatre, nous ne risquons pas de bien nous entendre, un pauvre comme son ex-propriétaire et moi! Au travail, donnez-leur la flûte. Voici la Pokéflûte. Merci, arigato gozaimasu. Gozaimasu, on dit pas lui. Tant que j'ai votre attention, vous pensez à... toujours à rendre ce que l'on vous prête. Ça vous évitera de faire des cheveux blancs. Alors Torrent, je suis pas d'accord avec toi. XY. Je le trouve pas spécialement plus long que les autres jeux en vrai. J'aimerais tant. J'aimerais avoir plein de choses et me faire un tas de souvenirs. Mais alors, c'était si je pouvais l'oublier. Vous n'imaginez pas à quel point gérer ces lieux est peut-être un calvaire. Si vous le dites. Mais en fait, monsieur, vous avez entendu parler des méga évolutions? J'ai souvenir d'avoir lu quelque chose à ce sujet en compulsant un ouvrage dans la bibliothèque. Cela parlait d'une personne, un dresseur comme on les appelle maintenant, qui brandirait une pierre mystérieuse pour faire évoluer un Pokémon de je ne sais quelle fadaise. Si vous désirez savoir plus, allez voir par vous-même. Et pour vous remercier de votre temps, laissez-moi vous faire un humble présent. Ta 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 ta! Wow!
Ah oui. Soul, tu n'étais pas là quand j'annonçais, mais... Shut the fire on them! Vous avez le droit de ban pendant tout le temps que vous voulez tous ceux qui parlent du live des pierres ici. On n'est pas sur le live des pierres et je les emmerde. S'ils sont trop nuls pour pas comprendre qu'il faut cliquer à droite pour aller sur le chat, ce n'est plus mon problème. Les règles sont posées. Le ban hammer doit frapper. Sang et tonnerre pour la horde. Excusez-moi. Je vais bien, vous inquiétez pas en vrai. Salut Toulousain, bienvenue sur live, j'espère que tu es bien. La capacité abri protège des attaques adverses. Mais prenez garde, elle a tendance à échouer, c'est utilisé plusieurs fois. Et vous avez le droit de faire des coups critiques. Bien entendu, je parle des PV. Coups critiques, PV. Je ferme ma gueule. Sur ce, je vous prie de m'excuser. Le propriétaire de château a été un miel avec celui du Fort Vindas. Pourtant, dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon, il faut le réflexe réveillé, il faut se tenir dans ta gueule. Quelle musique pète les burnes! Ça fait trop aristocratique! Mais excusez-moi quoi, le mec. Milobélus s'en or à l'entrée de chez lui! Police! C'est bon si c'est verrouillé? Ah non, c'est bon, c'est juste le bruit de la porte. Excusez-moi. L'allée du palais. Je marchais sur la route vers le ronflex. Je vais jouer de la pokéflûte pour le réveiller. Et la 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 la. Dites-moi, chers enfants, et vous aussi emprunter la pokéflûte? Oui. Adran prête la pokéflûte. Oh! Vous êtes la seule à pouvoir jouer de ce drôle de pipon? Reflex pour nous attaquer, c'était d'humeur chafouine au réveil. Êtes-vous prêt à affronter cette éventualité? Oui! Je veux l'ajouter à mon Pokédex! Le Ronflex a ouvert les yeux. Let's battle. Un Ronflex sauvage apparaît. À la vogue, Xifrin, attaque-le, son isogresse retiendra tes coups. Salut Spilly, bienvenue sur le live, j'espère que tu es bien. Ah non, mais il a trop... Oh, il est beau, les merdes. Je vais le tuer. Ne pas le tuer. Xifrin, retiens-toi. Attaque, griffe. Je vais tenter dès maintenant de capturer ce Pokémon. Merde, viens à moi. Putain, il s'est bien régène l'enfoiré. Je voulais donc faire un effet de style. Pokémon Ball, viens à moi. Salut Valstar, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. C'est l'heure de capturer ce Pokémon. Super Ball, go! Yes! Ta 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 ta.
D'ailleurs, on monte au niveau 14. GG Toulousain, tu remportes le palmarès de devenir Ronflex. Stream Pokémon. Non, level down. Mais attendu, tous ceux qui passent, passent du mal de Pokémon sont invités aussi à se faire bannir. Bien entendu. Son estomac peut digérer n'importe quel type de nourriture, même quand elle est moisie ou pourrie. Alors pour ceux qui sont arrivés et qui ne savent pas comment ça marche, quand je capture un Pokémon, je pose une question sur le chat en gras. Le premier qui répond et qui n'est pas déjà un Pokémon devient le Pokémon. Oh. Incroyable, tu as réussi à capturer le Ronflex. Wouf wouf. Oh. Désolé, est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et dire que pour moi la Pokéflûte était une simple décoration, alors que tu as toujours eu un vrai talent pour le pipeau. Même mon petit trésor poilu aime ce que tu fais. Mais sûrement pas autant que le feu d'artifice décoiffant que je tiens pour lui. Sans doute, oui. Et puis soyons francs, tu te débrouillais mieux dans le passé. Allez, je ne sais pas, je sais que tu n'as pas de poil dans la main. Reprends ton instrument et pratique tous les jours. C'était la tentative de réconciliation la plus minable que j'ai jamais vue. Bah, ce sont les enfers après tout. Bon, je vois ce qu'on va retrouver. Maintenant qu'on peut passer. La pension, let's breed. Wait. Oh. Ah, Adrien, tu tombes. Attends, j'avais fait quoi comme voix pour lui déjà? Alors, quelle voix ai-je fait? Attendez. Adrien, tu tombes à pic. Trop voulait aller voir la passion Pokémon, alors on va y faire un tour. Il a pas fait Dream, ce con. Ici c'est la pension Pokémon. Confinés en Pokémon, ils aimeront nos soins. Et ouais, et nous pouvons nous occuper de deux. Ah non. Et ouais, et nous pouvons nous occuper de deux dresseurs. Deux Pokémon par dresseur si besoin est. J'ai lu qu'en laissant deux Pokémon, on pouvait avoir de bonnes sorties qu'ils aient là. Oh ta gueule, je sais comment ça marche. Une prochaine fois, merci. Blablabla, je vais vous rendre la mention, je m'en fous, je sais comment ça marche. Je bride un peu tout le temps des Pokémon pour mettre la raclée aux viewers sur le streamer, ce que j'ai mis un 7-1. Y'a que Damstor qui m'a arrêté, la 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 la. Il est temps de capturer des Pokémon. Salut Charlotte, bienvenue sur le live, j'espère que tu es bien. Allons, Siegfried! Une horde de psychoquacks. Fuis, Siegfried! Salut Lou, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Un flamébé sauvage apparaît. Mais j'en ai déjà un, c'est dommage. Oh mais... What the fuck? Fuck it, on capturera des Pokémon plus tard. Psycho. Psycho quack. Tu as quoi comme casque? Alors... Je sais pas. Mais vraiment, je ne sais pas ce que j'ai comme casque. Pour de vrai. Genre, je ne me souviens pas de ce que c'est. Je sais, ça fait séparer débile comme ça, mais...
et la voix, un colorior. Salut Sib, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Depuis tout à l'heure, qu'on s'est vu. IRL, bien entendu. Rafale Psa! What? Comme par hasard, il connaît pistolet à eau, cet enfoiré. Très bien, il est temps de lui faire regretter d'être un faible colorior attaque flamèche. Hello, X monte au niveau 16. Morsure. Oublie la capacité et apprends morsure. Ça fait bien. Attendez. Stando! Attendez. Stando! Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas goûté au choix d'un tel combat. Rilodix, salut! Danse de l'évolution! Bonsoir Richie, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien! La danse de l'évolution! Pourquoi on voit du noir, il y a des capacités? C'est rien, c'est l'écran qui bug des fois. Faut pas y en vouloir. Après ça va mieux. Ah, d'ailleurs c'est bizarre. Voilà, tiens, il n'y a plus rien. C'est rien, c'est des fois ça bug, c'est bizarre. Oh mais arrêtez de me péter les burnes. Adran, savais-tu que ce bâtiment est un lieu de blablabla 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 blablabla. Snake! Quoi? Tu n'en as pas? Pourtant, avec ton niveau, tu devrais en avoir un. Les titres sont décernés aux dresseurs qui ont fait leurs preuves dans le château de combat. Sans surprise, seule une poignée de dresseurs triste sur le volet peut y prétendre. Dame Violette, vous connaissez cette personne? Oh, vous possédez le badge Coléoptère. La preuve que vous êtes une personne d'estime pour Dame Violette à tout le moins. Permettez que je me présente. Réginald de Pennyworth. Pennyworth, troisième du nom, pour vous servir, et vous êtes Adran. Comptez sur mon infaillible mémoire pour m'en souvenir. Salut Enzo, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Je vous recommande chaudement Adran, pouvez-vous lui donner un titre? Je suis sûr qu'il vous reste un stock et puis il ne serait pas volé. Château, il gagnera, c'est sûr. Fort bien, une recommandation aussi catégorique de votre part d'amulette à valeur d'ordre. Non plus que mon expérience auprès de juges bien de qualité chez Monsieur Adran. Monsieur Adran, la vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous nomme baron. Wesh. Le dresseur joue sans un titre, pour m'enseigner, jouter avec notre dresseur, également porteur d'un titre. Noblesse oblige. Le titre de baron vous place au plus bas de cette auguste et multiséculaire hiérarchie, mais en prouvant votre valeur et multipliant les victoires, vous en récolterez les lauriers et les titres afférents. Ce faisant, vous attirez l'attention de nos plus estimés dresseurs qui consentiront à venir croiser le fer en ce lieu de tout emprunt de gloire. Salut Yakos, bienvenue sur le live. Auriez-vous la moindre question, adressez-vous sans honte au petit personnel près de l'entrée. Le petit personnel. Dame Violette, monsieur Adran, veuillez m'excuser. Bonsoir Foufou, bienvenue sur le live, j'espère que tu es bien. J'ai un titre, tu sais. Et c'est donc de tenir le titre ultime, mais on aura peut-être l'occasion de s'affronter. Très bien, je vais jouter mes premiers adversaires. Ah, cette connerie de château de mes couilles, où est-ce qu'ils sont? Où sont mes adversaires? Je veux jouer de la lance. Salut Louis. Ou Louise, je ne sais pas. Bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Oui, pour faire l'action noble, je me sens obligé d'avancer la mâchoire. Je fais mes débuts dans le grand monde, c'est vrai ce que j'ai pu rêver de ce jour. Un jour je marie avec une fille de la haute et bye bye baron. Bonjour grande noblesse.
Non, je vais te battre avant ça. Salut Fer, bienvenue sur le live, j'espère que tu es bien. J'ai vu quelqu'un qui parle du live d'Aipierre, bannez-le! Je veux voir son sang couler sur mes mains! Salut Mister Captain, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. C'est tout? Hein, Pokémon? Mais non, mais ce château il est bien quand t'as tout débloqué. Surtout quand t'as débloqué la partie où t'as les dresseuses de Namewi. Parce que les dresseuses de Namewi elles donnent masse XP. Je vais me battre seul pour prouver que je ne dois rien à personne. A plus Shenzo, merci d'être passé, bonne soirée. Désolé si vous êtes arrivé sur le live et que vous êtes parti sans... En le disant sur le chat et que je ne vous ai pas vu, je suis désolé. Il m'arrive de malheureusement manquer certains calls. Veuillez m'excuser. Je vous fais quand même des bisous et je vous souhaite la bienvenue. Le tas seul ennemi est KO. A plus Charlotte, merci de te passer. Passe une bonne soirée. Une bonne soirée. Oh ouais. Je suis le seul à blâmer ici. Eh ben blâme-toi mon grand. Toi, je t'affronte. Je dépense d'un côté quand il s'agit d'obtenir ce que je veux. Avec l'argent je peux m'acheter tous les Pokémon qui me plaisent. Mais ce n'est pas comme ça que l'on devient un dresseur de Pokémon. Je vais te donner une leçon de combat. Et continue, Xifrin, ne laisse pas se sortir Rafale Psy. Ne pointez pas du doigt les gens, ce n'est pas poli. Oui, Néo, j'utilise toujours le même Pokémon parce que le multi XP est assez pété. Pour me permettre de ne pas toucher aux autres, en fait. C'est peut-être la grosse faiblesse de ce jeu. Mais en même temps, je l'active parce que ça me permet de faire facilement le let's play sans me prendre la tête en me disant ah, faudra que je farm. Voilà, par exemple, oui, avant de faire ce jeu, j'étais en train de faire Rouge Feu en live aussi. Le problème, c'est que j'ai arrêté de le faire Rouge Feu parce qu'il faut que je farm et j'ai la flemme. Donc en fait, il faut que je finisse. Bah alors, si, mais vu que j'ai pas l'entreprise, c'est possible que j'aille chercher Mega Ectoplasma Chroma. Il faut qu'on se tienne au courant et voilà. Damstorm, c'est un Dardarnien. Très bien, Double Kelouriouri. Eh bien, je vais te présenter Damstorm sur le champ en l'appelant sur l'avant du duel. Et il m'a fait poursuite, cet enfoiré. Salut Siesto, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Eh bien, je suis content de te faire délirer, Mr. Oreo, c'est mon but. Ha. Ben, de smog. C'est pas de l'alcool, le smog? Dans WoW, je crois. Dans la vraie vie aussi. Xifrin, c'est l'heure de faire du feu. Est-ce que tu veux te mettre en mode Johnny Holiday? Est-ce que tu veux allumer le feu? Go! Harcèle-le, Damstorm, ne le laisse pas respirer. Je veux que sa vie devienne un enfer. Tornade. Ah, vol. Regardez comme Damstorm harcèle ce pauvre Kelorior et qu'il décède. Ou qu'il est KO plutôt. Je sais, ça se dit pas qu'il décède d'un Pokémon parce qu'on met KO. Et voilà. Voilà.
Mais l'idée y est. Xifrine va prendre Dansefam. Eh bien, il la prendra. Drey en mode niveau 15. MQC Cuber 5 en mode niveau 14. Il est temps d'en finir à l'attaque des Pokémon. Madame Sam en niveau 15. Ting. Ah, je fais de la merde avec ma voix. Attends, c'est moi où elle a peint sa Pokéball? Genre, elle a fait une, elle a fait un dessin de Swim Ball sur une Pokéball, parce qu'en fait, ça fait comme une Swim Ball, sauf qu'il n'y a pas le cœur au-dessus. What the fuck? Merde. Putain, mais c'est pas facile à imiter, cette connerie. Très bien, confirmez-moi vos connaissances. Merci. Ok. Attention. Allez, je vais y arriver. À la fin de cette épopée. Ah. Oh, Serana. Hey, buddy. J'aimerais faire combat 4. Tiens-nous et trois tours contre Adran et moi. Qu'en dites-vous? Oui. Je veux battre aux côtés de Serana. Salut Spirina, et bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Véga, véga. Hirozaka, maintenant niveau 15. J'ai sauté une syllabe de son pseudo, my bad. Flabébé. Quick, Flabébé. Xifrine, a flamèche. Elle a envoyé un Keromasu. Non, c'est Keromasu, c'est Grenousse en japonais. Et pas l'évolution. Flamash. Salut Blixos, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Yare, yare, dase. Flamèche.
J'en ai rien à foutre que ce n'est pas très efficace. Fais-le, croix, soral ou poral. Non, croix poral, c'est un autre Pokémon, je crois. Salut Mowgli, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Très bien, votre niveau 5, il va prendre ton âme. Il est quelle heure? Ah, c'est bon, j'ai encore du temps. J'ai cru que j'avais plus de temps et que j'allais rentrer dans la bourse. Non! Pam, pam, pam. Pause de victoire! Quoi? Hirosaka évolue! Danse de l'évolution! Je me suis chier. C'est maintenant un Castordo ou Castorno. Mais maintenant un cap sur Rocheglyph. C'est bien, je suis en train de convertir déjà la danse de l'évolution. Chaque fois que vous irez sur un live de Pokémon, peu importe lequel, vous ferez la danse de l'évolution. Ah, on t'a fait peur, désolé. Tu vas bien avec ton roussil? Tu ne pensais quand même pas qu'un seul Pokédex suffisait à couvrir une région aussi grande que Kalos, j'espère. C'est pour ça que nous avons amélioré ton Pokédex. Le Pokédex des codes de Kalos a été rajouté au Pokédex d'Adran. Maintenant que le Pokédex des codes de Kalos est disponible, n'hésite pas à le sélectionner dans le menu du Pokédex. On dit que rencontrer des gens et des Pokémon te fait grandir, tu sais. Bah, il est l'heure de nous quitter. Bon voyage. Alors, Lulu Berlu, tu serais étonné par le nombre de jeux que je fais. Mais un stream perso. Parce qu'en fait, si tu veux, pour t'expliquer, quand on me donne une heure, j'ai pas choix de ma chose à faire, tu vois. J'ai pas énormément de choses. Alors qu'est-ce que je fais? Je joue à Pokémon parce que ça vous plaît, parce que je fais le compte dessus. Mais après, par exemple, dernièrement en live, j'ai fait du Hyrule Warriors, du Dark Souls, du Pokémon Y et X. J'ai fait du WoW, du LOL, du Heroes of the Storm. J'ai fait du Diablo. J'ai fait. C'est quel jeu que j'avais fait sur console? J'ai fait du Mario Kart 8. J'ai fait plein de trucs en fait. Je joue à plein de jeux. C'est juste que dans le cadre d'une heure de stream, c'est beaucoup plus simple pour moi de vous faire rire et vous amuser sur Pokémon que sur notre jeu. Ah, reculé! À part KFC, personne n'a un surnom conseillé pour Flambussard. Flambussard, pardon. Oui, yes! A critical hit! Pokéball, go! Ah! You're going to piss me off, bitches! Pokéball, go! Yare, yare, daze. Nice! Se vi per t'attrape. Xifrine monte au niveau 23. Ah oui, merde! Quel est l'ennemi?
l'antagoniste de ces vipères. Il affûte la lame de sa queue sur les rochers pour la rendre bien tranchante. Le rival de longue date de Mangriff. Ah, Drilux, il te manque une lettre, désolé. C'est Siesto qui va gagner s'il n'a pas donné son pseudo déjà. Siesto. Impossible de trouver Siesto, GG Siesto. Ah oui, alors pour ceux qui ne sont pas du tout habitués, je vais rappeler les règles comme chaque fois que je capture un Pokémon. Quand je capture un Pokémon, je pose une question sur le chat. Et les premiers à répondre juste, enfin le premier à répondre juste, obtient le fait que je mets son pseudo sur le Pokémon en surnom. Bien entendu, si jamais vous avez déjà donné votre pseudo à un Pokémon, vous êtes sur une liste. Et du coup, cette personne est exclue de la possibilité de re-avoir son pseudo. Oh, je l'ai vu, hein, qui s'est mangé le banameur dans la tête. C'était sanglant, j'aime ça. Bleuet, le dresseur prometteur, veut se battre. Dresseuse prometteur, elle envoie un couponnote. Xephrine. Rafalepsy. Ah. Non, en fait, s'il y a une pub, il doit être sur le live d'Apierre. Ça mérite un ban. Salut Zero Blood. Salut King of UG, bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien. Pendant que je massacre un Coupenat. Salut Mister Aurel, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Pam param pam param pam param pam param pam param pam 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 pam. Salut Flab, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Une petite potion pour mon Pokémon. Et de suite il va mieux pour tous les... J'ai pas de rime à eux. Ma, c'est ça, sad quand même. Bon, j'ai manqué plein de combats, pas grave. YOLO. Salut Narushi, bienvenue sur le live. Salut Zikos, bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien. Salut Trazon, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Alors on est une horde de Goelis. Je m'enfuis. Après Mister Hero, quand je ne stream pas sur Level Down, je suis sur ma chaîne perso. Et la moyenne de temps de live c'est 5 heures. Alors j'espère que tu t'accroches. Je vais choper l'objet. Quoique là je peux plus en fait. Si je peux. Tac, 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 tac. Alors ce qui est bien avec les gens qui disent qu'ils ont les écrans tout noirs, c'est qu'en fait ils comptent uniquement sur vous pour leur répondre. Parce que vu qu'ils ont un écran noir, ils ne m'entendent pas et je ne peux pas les aider. C'est triste. Des fois j'aimerais bien pouvoir aider les gens mais... je peux pas. Hop là. Hey oh voisin. Oh non. Bonne nuit Frélesti, bon courage pour ton examen demain. Merci d'être passé, bonne soirée, bonne nuit, des bisous. Mais le bureau d'études fossiles répond à toutes les questions sur les fossiles italiens qui ne sont plus sur ces étranges pierres et les méga évolutions. Tu veux pas faire un combat?
Bonsoir, bienvenue, blablabla, occupez-toi de mon équipe. Vous savez combien de temps que je fais des vidéos? Ça va faire 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Et ça va faire 1 an et demi que je stream. De manière régulière. Parce que je streamais avant, mais je streamais en 480, même pas, en 360p sur Twitch. Et je faisais des Pokémon aussi encore d'ailleurs. Salut Xerox, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Pour ça, dans la bonne temps, il faut monter, mais il faut prendre sa pause. Ah, il prend sa pause, très bien. Eh ben, laissons ce Pokémon prendre sa pause. Bureau d'études des fossiles. Bonjour. Ok, non, mais Genesect avec toi, surtout dis-moi le. Ah ouais, non, mais Genesect quoi, please. Ah, Serena. Salut GeoGeo, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Deux secondes. Bienvenue, grand archéologue. Je vois que vous êtes attiré jusqu'ici par le charme des mystérieux fossiles. Bonjour, je m'appelle Serena et voici Adran. J'entends bien. Est-ce que vous avez des choses de méga évolution? Ah, vous êtes les protégés de ce cher platane. Salut Miranel, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Pourquoi j'ai une casquette? Eh bien, tout simplement parce que je suis le dresseur hipster. Les mégalithions, hélas, trois fois l'âge, je n'en sais guère plus que vous, si ce n'est qu'elles sont liées à d'étranges pierres. Mais vous êtes ses disciples, il a dû parler des fossiles quand même. Ah, je sais bien qu'il ne prendrait pas les premiers clampins venus pour l'assister. Les fossiles sont donc les empreintes laissées par les Pokémon de jadis. Que vous voulez, là. Blablabla. Ah non, Mister Hero, après ça, je vais aller dormir, je crois. On va la grotte de Sunstone, c'est parti. Mais vous n'allez pas à la fin du stream, je vous ferai un link vers mon Twitter. Et sur mon Twitter, vous aurez toutes les infos pour me suivre, ne vous inquiétez pas. Ah, tiens, quel plaît. Un casque brut. Sur mon Twitter, vous aurez toutes mes nouvelles vidéos, tous mes streams perso, tous mes streams level down, tout, vous aurez tout. Tout, vous aurez tout sur ma vie. Sur internet. Allez, l'objectif pour finir cet épisode est d'aller devant la grotte étincelante et on se quittera devant. Mais avant ça, un mascaillement. Au pire, vu que j'ai pas trop de temps, on va juste skipper cette phase. Voilà. Cours Redocorn. RNG Police. Un hippopotas. Waouh. Je sais même pas si je stream demain. On est quel jour demain? Vendredi. Ne savez si elle streamait on level down. Si. Regarda le planning after le fin streaming. Si. Habla españoles como una vaches españoles. Si. Heureusement mon anglais pour moi est bien meilleur que ça. Sinon ce serait dégueulasse. C'est mon chat qui a bugué ou vous êtes étrangement silencieux d'un coup? Je pense que mon chat a dû bugger. Je vais F5. Ah non, c'est vous qui ne parlez plus. Bon, eh bien, moi, en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. Je vous laisse là pour ce soir. Je vous laisse en compagnie de Domina HD. Je vais vous mettre mon Twitter sur le chat. Voilà, auto-promo, des bisous. Donc je vous laisse accompagner de Domina qui va vous occuper pendant une heure. Et ce sera la Team Legend qui clôturera cette soirée sur Level Down. J'espère que cela vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, un nouveau live, ce que vous voulez. Et je vous fais des bisous sur la fesse droite. Oui, c'est dégueulasse. Et je vous souhaite une...
Bonne fin de soirée sous le Vautard.